Oh yeah. Oh yeah. Hello tout le monde. Hello. On commence bientôt. Allô Dominique. My God, ça doit faire des années qu'on se peut vivre. Avant de commencer, m'entendez-vous bien? Allô, je vois qu'il y a déjà une couple de personnes sur le chat. Est-ce que vous m'entendez? Oh yeah. Oh yeah. Hello, hello tout le monde. Welcome, welcome to Jake Dion's Joy of Digital Painting. J'espère que vous allez bien. Ça part, yeah. Hello Alex. OK. Bon. Mais bienvenue sur Twitch. I feel like a new man. Je me sens comme si je visitais genre un ancien quartier mais d'une nouvelle manière, genre quand tu y vas genre des années plus tard, c'est comme je me sens comme si c'était nouveau. Juste passé Twitch. Fait que je suis bien excité. Donc, cette semaine, comme vous pouvez voir, contrairement à mes autres que je fais normalement live sur YouTube, j'ai pas d'invité. Fait que je suis freestyle. Je vais faire une couple de dessins avec vous, puis on va jaser ensemble. Ça va être super cool. Mais je voulais justement, tu sais, je commence à adopter Twitch là, tranquillement, fait que ça me tentait pas de starter avec un invité puis poser des questions puis là, gérer deux écrans en même temps puis tout. Ça, j'avais envie de starter ça smooth. Fait que ben allô Dominique, je suis content que tu sois là. Dis-moi, est-ce que tu as une chaîne Twitch, Dominique? Si oui, je vais follower ça immédiatement. Puis excusez, je vais juste régler mon... Oui. Ah, OK, là, je m'entends. Fait que oui, t'as une chaîne Twitch, hein? Ben, Colin, on pourrait en parler tantôt, si ça te tente. Puis, ben, c'est ça. Fait que même si, là, je suis seul, c'est quand même The Joy of Digital Painting sur Twitch. C'est une nouvelle affaire, mais c'est toujours en partenariat avec Québec BD, qui est le festival de la ville de Québec, festival de BD. Puis ils font plein d'affaires super hot, pour vrai, là. Ils ont des ateliers, ils ont des entrevues avec des auteurs de BD. Puis c'est super pro, là. Tu sais, c'est comme ils sont en présentiel avec un invité. Puis quand ils parlent à d'autres auteurs, c'est sur des iPads. Mais tu sais, pour vrai, ça a un look vraiment cool, vraiment pro. Puis c'est Raymond Poirier qui anime ça. Il est vraiment bon. Puis, fait qu'aller sur québecbd.com, vous allez voir un onglet qui est le festival. Après ça, dans la programmation, vous allez voir un paquet d'affaires. Il y a même des matchs de lutte. Fait que je sais qu'il y a peut-être des gens qui m'écoutent qui suivent aussi Mathieu Niquette, là, mes Niquette sur Twitch,
qui commentent la lutte, ben, ils ont des matchs de lutte de BD. Fait que, dans le fond, ils utilisent un jeu vidéo, je sais pas c'est lequel, mais ils font des personnages de BD, genre Gaston Lagaffe qui se bat contre Hulk, genre. Fait que c'est bien tordant, c'est bien cool. Puis, ben, j'en profite pour, c'est ça, vous dire salut, on y va tranquille. Là. Il y a déjà 10 personnes qui sont là. Bienvenue, si c'est votre première fois, vous allez voir, on va dessiner live ensemble en jasant. No pressure, c'est bien relax, mais c'est bien cool. Puis, ben, si c'est votre première fois, je vous invite à aller sur le Jake Store aussi. Pour vous pogner des t-shirts magnifiques de moi, puis des prints aussi. Cette semaine, j'ai vendu mon premier print en Europe, en Belgique. Fait que là, j'étais comme bien ben énervé de ça. Overseas, I want to conquer the world. Fait que, allez voir ça, c'est pas mal cool. Il y a plein d'affaires. Sinon, ben évidemment, tu sais, l'émission de Joy of Digital Painting est rendue grâce à tous mes Patreons. C'est ceux-là qui permettent que... Ben, regarde, à cause de ça, je me suis acheté une webcam. C'est pour ça qu'on peut voir ma belle face, là. C'est à cause de la webcam, c'est à cause du Patreon. Sinon, j'aurais pas été capable de faire ça. Sinon, j'aurais juste fait comme plein de pages de BD en débile pour jamais pouvoir m'acheter de webcam. Fait que je suis bien content. Merci à tout le monde pour ça. Puis, bon, ben, on y va. On y va direct. Fait que... Et voilà. Là, ce que vous voyez, c'est mon iPad. yes, il y a quelqu'un qui me dit « Mes deux prints sont parfaites dans mon salon. » Yes, c'est très cool, ça. Peux-tu me dire c'est lesquels que tu as pris? Parce que il y en a qui sont peut-être faites sur mon iPad. Fait que là, ce que vous voyez en ce moment, là, en gros, c'est... tu sais, je fais un dessin sur Instagram par jour depuis le début de l'année. Puis c'est tous les dessins qui ont été faits. Puis ce qui est cool, c'est qu'ils sont faits avec Procreate. Fait qu'on peut pogner n'importe lequel. Mettons celle-là. Puis après ça, t'as le time-lapse replay. Fait que ça, c'était le tout premier. Ça, c'est vraiment le premier dessin que j'ai posté, genre le 1er janvier. Puis là, on peut accélérer un peu. Tantôt, quand je vais prendre un break, c'est souvent ça que je mets genre en background parce que on peut voir le processus. Puis des fois que je starte une idée, puis là, finalement, je fais d'autres choses. C'est comme ça, c'est un exemple. Là. J'ai fait un bonhomme avec un Bouddha dans les mains, puis un T-Rex. Puis là, j'ai fait « Ah, oh, ça s'en va nulle part, cette histoire-là. » Fait que là, j'ai complètement scrappé ça. Puis j'ai juste fait un T-Rex, finalement. Fait que... Hitlot 1976 dit « J'ai Alice, le tomb. » Ah ouais c'est mon préféré, ça. Puis un print avec le visage d'une fille et deux robots de chaque côté. Ben oui, ça c'est le Mecha Love. Ça, j'ai fait ça live dans un événement, dans une espèce d'arcade. Là. C'était vraiment hot. Dites-moi, est-ce que vous entendez la musique en background? Parce que moi, je l'entends très fort, mais je vois que... Le son est pas très fort. J'ai mis de la musique de Super Nintendo parce que je trouvais ça relaxant. Fait que ce qu'on va faire ce soir, c'est on va un peu avancer les posts Instagram, justement. Parce que, dans le fond, tu sais, j'essaie tout le temps d'avoir une semaine en avance, mais cette semaine... J'ai une grosse semaine là, de job, là, c'est assez intense. J'ai pogné un peu de retard dans ma prochaine BD. Fait que là, j'essaie de rattraper mon retard. Puis à cause de ça, j'ai pas fait d'Instagram partout. Donc là, j'achève. Là, je pense que je suis un petit peu moins qu'une semaine en avance. Puis c'est ça qu'on va faire à soir. Fait que j'ai pas vraiment d'idée. Je me suis dit qu'on allait peut-être checker ça ensemble. Si vous avez des idées de quelque chose que vous aimeriez que je dessine, évidemment, tu sais, pas trop intense, là. Pas genre une armée de démons qui se bat contre une armée d'anges avec des chevaux en feu puis des licornes sataniques. J'aurais pas le temps, genre, une soirée. Mais tu sais, des fois, genre, un portrait ou un personnage que vous avez en tête.
C'est ça. Ah, on me dit ma voix est pas très forte. Donc, ben écoute, oh, 415 qui dit le pistolero. Ben oui, on préfère ça. Je vais essayer de monter le son de ma voix un petit peu. Alors là, oh, là, j'ai l'impression que je suis trop fort. Est-ce que c'est correct comme ça? Est-ce que ça pique trop? Oui, c'est beaucoup mieux. Donc, je peux parler plus relaxant. On m'a dit de faire du ASMR, là. Fait que je vais vous parler doucement comme ça, avec ma douce voix jazz. Donc, OK. On t'entendait juste d'une oreille. Ah oui, là, je suis-tu en stéréo ou ben ah, merde. OK, ouais. Ça, là, écoutez, il aurait fallu que je fasse ça dans mes settings avant. J'ai pas bien checké mes affaires. Et boy, attends un peu. Je vais essayer de... OK. Ouais, non, OK. Faut que je me fasse un autre settings de son. Fait que, désolé pour les gens qui m'écoutent avec des écouteurs, là, ça peut être très gossant, là. Je me mets ça en note, puis je vais régler ça la prochaine fois. Ou si, okay, s'il y a des gens qui connaissent... moi, j'utilise Streamlabs. Je sais que Alex, tu utilises ça aussi. Fait que, mettons que tu me dis, ah, c'est bien simple, t'as juste à aller dans Audio Settings, puis le faire stéréo, ben, je vais le faire. Mais vu que je sais pas trop c'est où, faudrait vraiment que je fasse une petite recherche, puis ça serait un petit peu gossant. Mais oui, je le vois, là, que je suis juste à gauche. J'apprends, hein. C'est le début d'une nouvelle aventure pour moi, Twitch. Fait qu'il y a plein d'affaires que je connais pas. Donc, on va commencer ça. Y a-tu des gens, en partant, y a-tu des gens qui ont... ah, ben là, j'ai... attends, y a quelqu'un qui a dit le pistolero tantôt. On va commencer de même. En fait, ça va être inspiré du pistolero. Fait que là, sur Procreate, c'est magnifique, là, les outils. Je me suis fait des brushes, j'en ai acheté. Ça, je pense que c'est mon brush préféré, là, qui est comme une espèce de gros brush à l'encre. C'est vraiment... C'est très cool. Fait que... On y va. On commence. Puis, n'hésitez pas... Alex, c'est en fait 415. Qui a aussi un compte Twitch puis qui m'avait invité sur sa chaîne. Puis c'était hot parce que quand il m'a invité, on s'est fait raider, je crois, par Radio Talbot, c'est ça, oui, exact. Fait que c'était comme ben énervant, là. C'était bien excitant, c'était cool. Fait que souvent, je commence avec un croquis, mais des fois aussi, j'aime ça y aller direct sans aucun croquis. Puis en plus, dans Procreate, on peut réarranger. Vu que c'est digital, on peut... mettons, là, je fais comme... Ah, ma main est ben trop grosse. Fait que là, j'ai juste à sélectionner ça. Et clac, je rapetisse. Je la mets ici. Fait que j'aime bien ça parce que ça fait comme travailler le cerveau différemment, pas faire de croquis en dessous. C'est comme on est obligé de s'ajuster à nos erreurs, dans le fond. T'sais. Puis comme Bob Ross disait, il n'y a pas d'erreur, juste des accidents joyeux. Ben Dominique, t'es vraiment gentil, merci. Parce que c'est ça, hein, c'est... Vous voyez pas ce que moi j'ai dans la tête. Fait que vous êtes comme, hey, ben faites ça même. Moi, je voulais pas faire cet angle-là du tout. Mais bon, c'est pas grave. Puis c'est ça, c'est que aussi, je trouve que quand on fait du live, c'est plus agréable voir la création se faire, tu sais, sous nos yeux, plutôt que de faire un sketch avant, puis tout. Parce que là, après ça, c'est juste du rendu. T'sais, vous allez voir tantôt, j'ai un autre dessin qui est pratiquement fini. Puis je vais juste faire une couche de rendu dessus.
Puis c'est cool, là. Y a absolument rien de mal, là. Mais c'est peut-être moins excitant à regarder. T'sais, parce qu'on sait déjà où ça s'en va. On fait juste comme attendre. Puis en même temps, regarde, j'arrête pas de me tromper. Fait que. Y a vraiment, là, c'est ça. Quand on dessine, il faut se mettre dans la tête que peu importe ce qui arrive, c'est pas grave. On se réajuste. Y a pas de. Faut pas penser à la perfection. Faut pas penser à genre, c'est mieux d'être beau. Là, en plus, il y a du monde qui m'écoute live. Faut s'en sacrer un peu de tout ça, là. Mais c'est ça, Dominique, tu dessines aussi, fait que je sais pas, ta chaîne, est-ce que c'est une chaîne de dessin? Parce que c'est ça que je cherche, moi, à ces temps-ci, là. J'ai fait le tour pas mal de Twitch pour voir justement des trucs qui pourraient m'intéresser. Puis il y a beaucoup d'affaires très hot. Mais tu sais, j'aime moins, mettons, regarder du monde jouer live. Puis le pire, c'est que je regarde des let's play et des playthroughs, mais je pense que j'aime mieux regarder ça sur YouTube parce que souvent, je vais trouver un vieux jeu, puis là, j'ai la playlist. T'sais. Fait qu'en travaillant, je suis pas obligé de suivre. Puis si jamais il se passe de quoi, genre, oh my god, c'est donc bien malade, ben je peux reculer. Puis tu sais, bon. Fait que. Je cherche beaucoup des trucs plus artistiques sur Twitch. Là, comme vous pouvez remarquer, j'ai absolument aucun modèle de gun. Donc, j'improvise. Mais c'est pas grave parce que, tu sais, le pistolero, c'est comme un peu du fantasy. Fait que même si le gun n'existe pas, on s'en sac. OK, donc je vais juste prendre un petit moment pour vous lire en même temps, hein, parce que, tu sais, lire en dessinant, c'est pas évident. OK, donc, 400 cases, voilà. Donc, Dominique dit, excuse Jake, mais tu fais chier. Bon, je m'excuse. Mais tu sais, je vais avoir 40 ans, là. J'ai commencé à dessiner à 6 ans. Fait que, c'est pas comme si ça s'était fait tout seul non plus. Puis, ce que je suis en train d'expliquer tantôt comme technique de pas faire de croquis, c'est pas nécessairement quelque chose que je conseille. Là. C'est une philosophie comme un autre, mais je fais ça depuis que je suis kid aussi. Fait que, c'est pas comme si du jour au lendemain, je faisais tout le temps des croquis en dessous de mon dessin, puis là, j'avais décidé... On essaie d'autres choses. J'ai tout le temps dessiné comme ça. Puis même quand j'entendais des pros me dire, tu sais, quand j'étais plus jeune, des pros me dire « Ah, faut que tu fasses un croquis avant, t'es obligé. » Ça me gossait, là. Je comprenais pas pourquoi. J'étais comme « Pourquoi? Tu perds du temps, là. » Puis finalement, tu sais, la réponse est bien simple. C'est que tu fais beaucoup moins d'erreurs, tu sais, quand tu y vas par étapes, puis que t'as déjà une structure en dessous de ton ancrage. Babang dit, je t'envoie chier, ça fait plaisir. Ben, vous aussi, ça me fait plaisir. Je le prends comme un grand compliment. Le dessin n'est pas fini tant qu'il n'est pas fini. Ouais, I guess, c'est vrai. En même temps, ça, c'est une autre affaire. Des fois, c'est mieux fini que parfait. Je sais pas si vous connaissez le YouTuber artiste Jake Parker. C'est lui qui a entre autres starté le mouvement Inktober. Puis il a fait une vidéo là-dessus. Puis pour vrai, je le conseille à n'importe quel artiste. Là, parce que souvent, on se critique beaucoup nous-mêmes. Puis on est bien dur avec soi-même. Parce que justement, on le sait ce que nous, on a dans la tête versus le résultat. Puis lui, sa philosophie, c'est une fois que tu finis un dessin que tu commences à apprendre. Mais tu sais, un projet, là, puis... Je suis sûr que vous en connaissez ou peut-être vous êtes comme ça aussi. Tu sais, des gens qui sont super perfectionnistes et qui ont un projet, là, mais ils ne voient jamais le jour parce qu'ils veulent tout le temps qu'il soit parfait. Tu sais, ça, c'est triste parce que dans le fond, tu n'apprends pas dans ce temps-là. Oui, ton projet, il est peut-être meilleur, mais s'il ne voit pas le jour, ça ne sert à rien. T'sais. Fait que j'avais trouvé ça bien intéressant. Vous checkerez ça, Finished Not Perfect, sur de Jake Parker sur YouTube.
OK, je continue à vous lire. Hey, vous êtes beaucoup à m'écrire, c'est le fun. Merci, ça me fait beaucoup de bien. C'est facile sans sacrer quand t'es bon comme toi. Ouais, mais ça, non, c'est pas... C'est, tu vas voir, tu sais, peu importe comment tu deviens meilleur, il n'y a pas un moment où tu fais comme « Ah, yes! Là, je suis rendu bon! » c'est pas de même que ça marche. En fait, c'est que si tu te dis ça un jour, c'est que t'arrêtes d'évoluer. Fait que c'est pas un bon signe, là. Quand t'es rendu à te dire « Est-ce que je suis hot? J'ai tout appris, j'ai tout compris. » c'est, tu sais, moi, ce que je suis en train de faire présentement, je trouve pas ça hot, là. Je suis comme, j'ai l'impression un peu de faire n'importe quoi, fait que, mais le but, c'est pas d'être, c'est de pas trop être dur avec soi-même en même temps. C'est ça, la fine ligne entre les deux, dans le fond. Donc... OK, fait que sur ta chaîne Twitch, tu peux la poster dans les commentaires parce que moi, je vais m'abonner. Puis s'il y a des gens qui sont intéressés, là, tu dis, tu joues, tu dessines. Tantôt, tu as dessiné un vibrateur. Ah, ben ça va peut-être être mon prochain dessin, ça. Je vais peut-être faire un vibrateur, moi, avec. Moi, j'aime beaucoup faire le son des vibrateurs. C'est un son que j'aime faire dans la vie. Une espèce de... Je trouve ça le fun à faire. Ouais, on se part un trend de vibrateur et que ça marche. Yanner Baller, hey, salut man, salut. Hey, c'est nous autres aussi, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Salut tout le monde, je suis content de te voir sur Twitch, Jake Maison, puis je vais vous expliquer en fait ce qui a changé mon raisonnement. C'est un peu grâce à Mathieu Niquette, qui a une chaîne Twitch aussi, Mean Niquette. Puis c'est vraiment cool, là, sa chaîne. Puis c'est que, tu sais, en gros, tout ce que j'aimais moins de Twitch, ben, il m'expliquait que j'avais rien compris dans le fond, parce que ce qui est malade de Twitch, c'est l'esprit de communauté. Puis ça, j'avais pas compris ça. Puis ça, c'est, on s'entend, c'est inexistant sur YouTube, là. Fait que c'est pas nécessairement l'aspect monétaire, ou mais c'est vraiment, moi, je tripais de savoir comme, OK, il y a de l'entraide, il y a du monde qui se raid, il y a plein d'affaires hot que, ben, c'est juste inexistant sur... comme là, je sais pas, là. Je suis en train de checker mon dessin en vous jasant, là, excusez, là, je suis comme... on dirait que je le feel moyen, là. Il manque de quoi, là. Des fois, ce qu'on peut faire pour arranger quand on a l'impression que... Pas qu'on a fait une gaffe, mais qu'il manque de quoi, là... C'est de commencer à jouer avec l'éclairage. Fait que je vais juste finir mon outline, puis après ça, on va comme essayer de faire des ombrages ou... c'est-à-dire, j'ai fait mon dessin sans vraiment penser une source de lumière. Ça non plus, ça l'aide pas. Fait que... Je vais me dire que ma source de lumière, mettons, elle arrive de là, là. Puis il va peut-être avoir un petit backlight, là. Comme... Je sais pas si ça s'appelle... Ça s'appelle pas un backlight, mais un key light, c'est ça? Attends, si il y en a un qui dit, si vous connaissez Jake, il a bien caché ce genre de truc dans ses dessins. Oui, ben évidemment, dans ma BD Alice, j'ai pas eu besoin de le faire parce que il y en a déjà assez de vibrateurs. Puis de. Mais oui, j'ai déjà fait ça quelques fois pour faire rire mes amis, cacher des dicks.
Donc, oui, c'est sorti, Alice. C'est sorti, c'est disponible partout dans toutes les librairies possibles. Évidemment, je te conseille d'aller dans une librairie indépendante parce que, ben, tu sais, les Renaud-Bray et les Archambault, ils en ont assez. Ils ont d'argent, ils sont pas obligés. Mais, tu sais, à Planète BD ou Librairie Z, ou je sais pas si Millennium y en ont, mais s'ils en ont pas, ben, commandez-les là, ça va lui faire plaisir. Puis, non, c'est assez incroyable, là. On a vécu un gros succès. Moi, c'est le plus gros succès de ma carrière à date, là. Fait que c'est bien excitant, là. Je suis bien énervé de ça. Ça a été incroyable de travailler avec Patrick, là. On est devenus des chums. On a d'ailleurs crissement hâte de se voir pour célébrer ça. Parce que, tu sais, tout le succès d'Alice, ben, on l'a vécu derrière notre écran à cause de la pandémie. Fait que on a hâte. Puis en plus, cet été, ben là, ouais, faut pas que je parle trop vite, là, mais t'sais, peut-être qu'on va avoir des occasions de se voir, puis je pourrais te faire une belle dédicace. OK. 415 dit, vas-tu faire des petites sirènes pour le mermaid? Ah oui, ça existe, ça? It's a thing? Je ne savais pas. Le mermaid. Ben oui, why not? Moi, le pire, c'est que j'adore la mythologie. Je sais pas comment on appelle ça. De la mythologie folklorique, peut-être? Mais j'adore tout ce qui est conte de fées, tout ce qui est, tu sais... Puis, évidemment, je mets tout le temps une petite twist d'horreur là-dedans parce que, ben, c'est ça ma génétique. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je suis, entre autres, ben gros fan de Guillermo del Toro. Tu sais, c'est un genre de sensibilité qui m'a rejoint ben gros. Puis, attends, non, je vais pas y faire une cravate, je vais y faire un... Hey, trouvez-moi le nom de comment ça s'appelle. Tu sais, un genre de médaillon, là, avec deux cordes qui pendent, là. C'est comme une espèce de cravate de cowboy, là. Un bolo, exactement. C'est exactement ça, merci. Fait que là, je vais amplifier un peu les ombres. C'est ça aussi qui est des fois tough, là, tu sais, on dit l'expression « kill your darlings », mais souvent, quand on fait de l'ombrage de même, on veut pas passer par-dessus tous les détails qu'on a faits, tu sais, parce qu'on a l'impression de gâcher notre dessin, mais des fois, c'est mieux d'y aller avec des masses noires que d'essayer de contourner les lignes pour faire de l'ombrage. Évidemment, ça dépend du style, là, mais, tu sais, je pense à Frank Miller... T'sais, lui, il gênait pas, là. Puis vu qu'on est dans Procreate, ben, t'sais, il y a toujours moyen de venir regosser puis d'ajouter des petites lignes de blanc si vraiment, là. Là, après ça, on va commencer à le mettre en couleur. Tu sais, même si c'est un peu sketch, c'est pas fini. Je vais juste rajouter un petit peu de blanc, tu sais, pour le fameux la lumière secondaire que je parlais ici. Là.
Dieu, c'est donc bien émouvant cette chanson-là. Brésil Flag dit allô. Dit, mon Dieu, j'arrive avec des discussions de dick. Ouais, ça se peut que ça arrive souvent là, dans le channel. Fait que là, pour ceux qui viennent d'arriver, on vient de faire ça sur Procreate. On peut peut-être même checker un petit time-lapse. J'aime bien ça, moi, cette fonction-là. On va l'avancer jusqu'à... Hello, Epic Joystick. Là, c'est ça, pour les habitués de Twitch, là, expliquez-moi une couple d'affaires. Là, tu sais, comme je vois, je sais pas trop. Là, tu sais, moi, je suis dans Streamlabs OBS présentement, fait que je sais pas si je peux voir s'il y a des gens qui me follow, qui m'ajoutent, ou je sais pas si j'ai accès à ça ici. Expliquez-moi ça en même temps là, pour que je puisse comprendre comment que ça marche. OK. Fait que là, on vient de faire notre ancrage, puis on va commencer avec la couleur. Moi, ce que j'aime bien, là, c'est de me pogner un peu des couleurs... tu sais, un peu à botch. Là, tu sais, là, évidemment, je sais que c'est un western. Fait que, tu sais, on va y aller dans des tons plus orangés. Mais après ça, tu sais, je vais peut-être me pogner un genre de gris de même. Puis là, peut-être un vert. Tu sais, je ne vais pas trop saturer. Puis vous allez voir, tu sais, je vais tout blender ça ensemble après. Puis mettons un rouge mauve. Puis là, on va juste blender les couleurs pour se faire un espèce de fond un peu abstrait. Puis ensuite, on va vraiment, tu sais, aller comme plus sculpter avec la couleur dans le dessin. Fait que, vous voyez, ce que je fais dans le fond, c'est que je pèse pas fort, puis je vais sélectionner la couleur qui est entre les deux pour créer une espèce de... C'est de même que je blende mes couleurs, dans le fond. Là, j'ai l'impression qu'on est dans un Chrono Trigger. Là. Puis c'est ça que je trouve hot, c'est que genre, je lis vos commentaires, puis tu sais, vous parlez entre vous autres, puis vous dites salut quand il y a quelqu'un qui arrive. Tu sais, ça sur YouTube, t'as pas ça. Là. C'est ça que je trouve magnifique. C'est comme, ok, c'est comme. Tu sais, je me sens comme si. J'étais un espèce de DJ d'un bar, puis il y a du monde qui arrivait pour checker mon set, puis qui chill ensemble. Je trouve ça vraiment nice comme ambiance, comme attitude. Je trouve que c'est. Ça rend ça, tu sais. Ça rend ça chaleureux, genre, t'sais. OK. Fait que là, tu sais, j'ai des couleurs un peu fuckées. Si, vous voyez, si j'enlève mon dessin, on voit que c'est un peu n'importe quoi. Mais c'est exactement ça que je veux. Fait que... Puis ce que je vais faire ensuite, je vais sortir de ma galerie. Puis je vais aller dans un autre dossier où j'ai des textures. Puis, attends un peu, j'en ai un autre, je suis sûr, quelque part. Attendez, je cherche juste, j'ai un dossier de texture. Ah, voilà. Mm-mm.
OK. Fait que ça, là, ça, ce que j'aime, là, c'est que je pogne ça. Puis là, j'en ai plein là-dedans, là. Fait que mettons celle-là. Puis c'est ça qui crée des espèces de happy accidents. Fait que là, tu sais, je me suis fait une couleur un peu boboche. Et là, je vais juste copy-paste ma texture. Puis là, je vais la déformer. Et je vais changer le mode. Fait que là, tu sais, mettons en la mettant. C'est comme ça déjà, ça fait un autre effet. Mais c'est ça qui donne. Tu sais, comme on voit la texture comme de la toile. C'est une toile que j'ai faite puis j'ai pris en photo. T'sais, avec l'iPad, là. J'ai pas scanné rien. J'ai pas. Fait que tu sais, je pense que, mettons, ça, je trouve que c'est un bon. Ça start bien. Puis là, je la duplique parce que je vais peut-être la réutiliser sur d'autres choses plus tard. Fait que là, on va peindre par-dessus, dans le fond, la couleur boboche que j'ai faite et la texture. Fait que je vais choisir, mettons, mes couleurs plus claires. On se rappelle que, tu sais, j'avais déjà déterminé mes sources d'éclairage dans ma tête. Ce que j'essaie de garder en tête aussi, c'est que notre œil, il va vers tout ce qui est plus saturé. Fait que c'est sûr que si, mettons, mettons que je prends, mettons que cette zone-là est full pas saturée, mais que cette zone-là est super saturée, ben l'œil va tout le temps aller vers la zone saturée. Fait que c'est pas ça qu'on veut. On veut garder le focus, mettons. Moi, je veux que mon focus, ce soit le gun puis le visage. T'sais. Fait que on va comme désaturer le reste un peu. Puis ça, ben, t'sais, une manière de faire ça bien simple, c'est de se pogner une couleur plus grise. T'sais, mettons, là, t'sais, ce rouge-là, il est super saturé. Fait que je vais me pogner plus un orange terne puis d'y aller t'sais, un peu par-dessus. Fait que là, drette en partant, elle attire moins l'œil. Ben oui, Professeur Jake, mais ça, c'est de Jake University, man. Ben, tu sais, je me dis, tant qu'à dessiner, je pourrais expliquer ce que je fais, puis s'il y a du monde qui ça peut lui servir, tant mieux. Le Jakeverse. OK, hey, là, excusez, je vous ai pas lu pendant que je parlais. Fait que là, ouais, c'est ça. Là, je vous ai posé des questions, puis j'ai pas lu vos réponses. Fait que. Donnez-moi juste une seconde. Ce sera pas long. Je vais juste. Je vais juste prendre 5 minutes pour vous lire. OK, fait que. Epic Joystick, faut que je check ça. Epic Joystick. Bon, mais Epic Joystick, je te follow. There you go, my friend. Donc, 400 cases, as-tu seté tes alertes? Non, je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est où. Il y a un widget pour ça. Je sais pas c'est quoi un widget. Dominique Babang. Je pense pas. Il n'y a rien qui pop. J'ai aucune idée comment faire ça. Puis pour vrai, c'est quelque chose que j'aimerais faire live. Tu sais, genre, j'aimerais ça, genre, l'apprendre live. Fait que peut-être tantôt, là, s'il y a encore du monde qui reste, là. Mais il faut l'ajouter. OK.
Ouais. Ah, ok, c'est peut-être que je ne l'ai pas encore. Ok. T'as le follow et notification button, mais pas l'onglet subscribe. Huh. C'est ça, c'est comme mon deuxième stream, là, fait que je sais pas quand ça se débloque, là. Bon, ben, la Gorgone, elle me dit la technique est vraiment le fun et intéressante. Professeur Jake, et voilà. Le Jakeverse. Ah, ben, merci, Dominique. Tu me dis que je suis pertinent sur Twitch. Caroline, c'est le fun. Ouais, c'est ça. Mon reading game, il est pas dans le tapis, là, en ce moment. Ben, c'est ça, là, aussi, qui me. Là, on est 20, tu sais, puis je rush un peu. Fait que, tu sais, imagine qu'on est 60, là, 80. Comment m'en faire pour jaser avec le monde? Dominique Babang, j'étais-tu follow? Je pense que oui. Puis quand même, add friend, je sais pas comment que ça marche, mais je t'ajoute comme friend. La soundtrack qu'on écoute, c'est évidemment le beau vidéo sur YouTube qui dit Relaxing Super Nintendo Music. Fait que tantôt, il y avait du Chrono Trigger, il y a eu du Final Fantasy, un paquet d'affaires. Je préfère un live avec Matt Niquette, mais hein, man, j'aimerais full ça. C'est un de mes amis, Matt, je le trouve très cool. Mais c'est ça, expliquez-moi, mettons, tu sais, puis ça, c'est très personnel, là, mais, tu sais, moi, à chaque fois que j'allais, genre, voir un, mettons, un stream d'un artiste, ben, il était en train de lire des commentaires. Puis, pour vrai, ça me gossait. J'étais comme, là, je veux te voir dessiner, je veux pas te voir lire des commentaires. Fait, en même temps, est-ce que c'est ça le but de Twitch? Est-ce que, genre, les gens sont habitués puis s'attendent à ça? Ou c'est juste... c'est ça, c'est-tu moi qui avais pas rapport, dans le fond? Ou c'est normal de prendre le temps de lire les commentaires puis qu'il se passe rien à l'écran, tu sais? Parce que moi, j'essaye de dessiner puis de parler en même temps pour que ce soit, tu sais, plus le fun à checker, mais c'est peut-être moi qui est dans le champ, là. Dominique a dit, va falloir le prendre par la main. Oui, s'il vous plaît. Aidez-moi dans votre univers que je ne connais pas. Mais j'aimerais ça devenir hot, tu sais, c'est ça. Pas dans le sens de la popularité, mais genre dans le sens de connaître tout. Puis, tu sais, justement, tu sais, des fois, je voyais, il y a du bon qui ont des timers ou qui ont des genres de petits trucs spéciaux sur leur chaîne. Tu sais, j'aimerais ça, ça. Fait que apprenez-moi certains, puis quand je serai riche et big, je vous paierai une piscine hors terre, tu sais. Is this the future? Hey, je suis vraiment en retard dans les commentaires, excusez-le. Ben là, je follow ta chaîne, là, je pense, Dom. Tu dis, faut que tu follow ma chaîne. Ben, je pense que oui. Hein. J'ai fait follow tantôt, je pense. Petite question par rapport. As-tu fait des covers des romans de Patrick Sénécal? Oui, oui, c'est moi qui ai fait pas mal tous ces derniers. Là. En fait, ils ont réédité 3-4 romans en grand format, dont Alice, le roman. Fait que c'est moi qui ai fait ça. Ensuite, j'ai fait la BD d'Alice avec Sénécal, mais j'ai fait Il y aura des morts. La dernière couverture, Le Passager, j'ai fait Flow dernièrement, que j'ai pas lu encore, mais que ça a l'air malade. Mais ça, c'est vraiment cool, parce que j'ai le privilège, tu sais, Patrick est vraiment nice là, comme personne. Là. Fait que, écoute, quand il faut que j'illustre un de ses romans, il vient chez nous, puis là, on se prend une bière, puis il me raconte tout son roman, du début jusqu'à la fin. Fait que, tu sais, j'ai l'auteur lui-même là, qui est en train de me raconter ça en buvant de bière, tu sais,
Je suis vraiment chanceux. Avec les punchs puis tout, là. Parce que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est, dans le fond, à chaque fois que je fais une couverture pour lui, notre objectif, c'est que tu checkes la couverture avant de lire le livre, t'es comme, OK, c'est nice, une belle cover, ça te donne envie d'acheter le livre, mais qu'une fois que t'as fini de le lire, t'en recheck le cover, puis tu vois une deuxième signification, tu sais. Fait que c'est pour ça, souvent, on essaie d'inclure, genre, tu sais, un genre de punch que personne va catcher si t'as pas lu le livre, mais une fois que tu l'as lu, tu fais que, oh my God, c'était ça. It was that all along. Puis moi, c'est mes couvertures préférées, c'est ceux qui font cet effet-là, là. Puis même, il y a des titres de films qui font ça aussi, tu sais, des fois que tu penses que le titre, c'est ça, puis là, après d'avoir vu le film, ça change de sens, là, tu sais. Mettons, Parasite, c'est un bon exemple, ou il n'y a pas d'autres qui me viennent en tête, là, mais... Dominique a dit, tu sais, il y a du monde comme toi qui a dit c'est correct, mais elle dit il y a du monde comme toi qui lit un commentaire puis qui passe une réponse pendant 20 minutes. Ouais, ça, effectivement, c'est. Fait que là, des fois, là, ce que ça me tente de faire, parce qu'on va continuer le Jake University, là, tant qu'à faire, là. Ce que j'aime bien faire, là, des fois, puis c'est juste comme je le fais en test, là, mais je fais ça souvent, c'est que une fois que je suis comme rendu là dans mon dessin, je sais plus trop t'sais quoi faire, souvent je vais me choisir une couleur, genre, mettons ça, une espèce d'orange vif, me créer un nouveau layer par-dessus tout, puis là je la mets dessus. Puis là, je vais juste gosser dans les modes, genre. Puis des fois, ça donne des accidents que je suis comme, hey, c'est bien plus hot que ça. C'est bien plus hot de même, tu sais. Fait que, tu sais, mettons ça, ça change complètement l'ambiance, tu sais. Mais des fois, tu sais, ça va juste, ah, tu sais, comme ça. Puis là, tu changes un peu l'opacité. Ah, j'ai pas ça. Tu sais, comme ça, j'aime bien ça, là. La seule affaire, c'est que c'est un petit peu trop saturé, fait que... Ouais, tu sais, comme ça, là. Je pensais pas, là, mais ça vient juste mettre de la chaleur un petit peu plus partout. Puis, ça aussi, c'est un autre truc que je vais donner pour la composition. Je sais pas si vous connaissez la règle des trois, là. Mais en composition, dans le fond, là, d'une image, ce qui est attrayant, c'est l'espèce de quadrillé comme ça. Puis ça, c'est les points d'intérêt. Fait que là, tu sais, je l'ai fait un peu à botch, mais tu sais, on a le visage ici, on a le gun là. Fait que tu sais, ça marche. Ce qui marche pas, c'est que là, il y a comme un gros highlight partout ici. Fait que ça veut dire que toute cette zone-là, là, elle se perd. Toute la zone du bas. Fait que pour ça, ce que je vais faire, check it bien, je vais éclaircir mon fond jusqu'à au tiers du bas. Vous allez voir. Je prends ça. Je vais me prendre ma couleur qui est plus claire. Fait que juste en faisant ça, la silhouette, elle ressort plus, puis les éléments que je veux, ils ressortent plus. C'est-à-dire le gun et le visage. Tu sais, c'est pas grand-chose, mais c'est ça qui fait que la silhouette, elle pop. Fait que si je remets ça avec mes couleurs chaudes de tantôt, puis j'ai mon autre texture. Là, c'est très agressant comme rouge, sauf que ce que je vous disais tantôt sur la saturation, notre œil va vers la saturation, là. On peut se pogner une couleur grise, mettons, puis un brush, toujours sur un nouveau layer par-dessus tout.
Puis là, on met ça en mode color. Ça, ça veut dire que ça va devenir noir et blanc. Fait que là, on a juste à le mettre, mettons, à 50%. Puis, je sais pas si vous le voyez bien à l'écran. J'ai comme pas checké vraiment mon écran référence. Mais, tu sais, comparé comme ça, c'est vraiment criard. Puis comme ça, ben, on focus plus sur le visage encore. Là. Fait que, on peut peut-être le diminuer un peu pour que ce soit moins contrasté. Là. La gorgone. Quand on regarde quelqu'un dessiner, on comprend qu'il peut pas full parler en même temps. Ouais, excusez. J'essaie de faire de mon mieux, mais c'est vrai que c'est tough faire les deux en même temps. Surtout que je suis tout seul. Tu sais, souvent, quand je fais mon émission Joy of Painting, j'ai un invité. Fait que pendant qu'il répond, moi je dessine. Pendant que moi je réponds, l'autre dessine. Tu sais, ça fait un va-et-vient. Mais là, je suis tout seul. Fait que c'est un peu tough. Yanner Baller dit « T'avais fait une pochette d'album à Max, si je me souviens bien. » Oui, Maxime Gervais. J'ai fait sa pochette d'album La Plage. C'était vraiment cool de faire ça. Encore là, il était venu chez nous, puis on avait jasé pas mal. Puis là, kids, ça, c'est l'affaire la plus importante que je vais faire. C'est signer. Il faut toujours signer son dessin. Toujours, toujours, toujours. C'est la preuve que ça t'appartient, même si tu te fais voler l'image, même si ça se ramasse sur un calendrier en Chine, tu sais que c'est toi qui l'as fait. Puis si t'es intelligent comme moi, tu le fais sur un autre layer. Comme ça, tu peux la rapetisser. Puis la mettre de l'autre bord, ou choisir où tu veux la mettre. Mais c'est ça, la signature, c'est super important. Donc, on va dire que c'est bon pour celui-là. On va en faire un autre. Est-ce que vous avez d'autres idées de ce que je pourrais dessiner? Avez-vous un truc en tête? Ah, ben je peux expliquer ma signature. Ben ouais, avec plaisir. Fait que, on va juste... Attends, c'est comme mêlé, là. On va déliter tout ça. OK. Donc, mon nom d'artiste, c'est Jake Dion. Fait que, la signature, dans le fond, là... C'est ça. Ça, c'est ma signature. Fait qu'il y a un J qui est comme ça. Puis un D qui est comme ça. Les deux fusionnés. En dessous, c'est la date. Non, mon vrai nom, c'est Jean-Philippe. Jean-Philippe Dion. C'est comme ça que mes parents m'ont baptisé. Puis j'ai tout le temps trouvé ça beau, Jean-Philippe. J'ai pas honte de mon nom du tout, mais mes parents, en gros, quand j'étais petit, ils sont allés aux States. Puis j'étais très jeune, puis Jean-Philippe, là, en anglais, c'est Jean Phillips. Fait que Jake est venu de là, puis... Après ça, j'ai décidé de l'écrire de manière fucky, juste parce que si tu le googles, ben, c'est plus facile à trouver que J-A-K-E comme ça. Là. Mais bref, fait que ça, c'est le J et le D, puis le point. Mais en dessous de ça, c'est la date. Fait que présentement, c'est 21. Fait que ça fait un espèce de 2 comme ça, puis une barre pour le 1. Fait que, mettons, en 2022, ça va être... Clac, 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 clac. Ça va être ça en 2022. Fait que, ce qui est cool, c'est que je peux checker n'importe quel dessin que j'ai fait dans le passé puis savoir exactement quelle année je l'ai fait. Fait que, tu sais, mettons, en 2010, c'était ça, là. Ça fait un 1 puis un 0, t'sais. Fait que voilà, je suis bien, bien content, bien fier de ma signature. OK. Hey, donnez-moi juste une seconde. Je vais juste aller me chercher de quoi à boire, mais je vous laisse pas tout seul. Attends, on va avancer juste ça jusque... Ici, maintenant. OK, ouais. Ouais, je peux vous montrer ce dessin-là.
Je reviens, ce sera pas long. J'ai tellement fait ça vite, là. Vous avez même pas eu le temps de voir le dessin fini. Oui, c'est ça. Mes parents m'ont dit un Jean-Philippe Dion qui passe à la TV ce temps-ci. Ils trouvaient ça bien drôle. Puis là, mon père a dit, « Mais je t'aime plus toi que l'autre Jean-Philippe. » J'étais bien content que mon père me dise ça. Ouais, ben c'est ça, le côté anglais de mon nom, il vient d'être là, dans le fond. C'est parce que vu que on a passé du temps en Californie quand j'étais petit, c'était plus simple, Jake, que Gene Phillips. Gene Phillips Dion, c'était comme trop compliqué. J'ai trouvé l'idée comment pour la signature? Ça vient de Franquin. Franquin, là, il signait son nom, genre, mettons, de même. Puis la barre du F, elle faisait tout ça. Puis je trouvais ça cool. Puis là, il rajoutait tout le temps comme une niaiserie. Franquin, c'est celui qui fait Gaston Lagaffe. Là. Fait que là, il rajoutait tout le temps, mettons, un dessin là, à la fin. Là. Fait que moi, j'ai commencé à signer de même. Tu sais, c'était le J. Puis là, le... Puis ça, j'avais genre 6 ans là, quand je faisais ça. Puis là, à force du temps, ben c'est devenu ça. Puis là, après, c'est devenu ça. Voilà. Je pensais pas parler de ma signature. C'est... Vous m'amenez dans des places que je m'attendais pas. Faut que je fasse attention, là. Ça pourrait se retrouver contre moi, là, tout ça. Fait que là, avez-vous des idées pour un deuxième personnage? Mademoiselle Jeanne. Qui est Mademoiselle Jeanne? Antoine W.K. C'est qui Mademoiselle Jeanne? Voyons, on dirait que je suis supposé savoir c'est qui Mademoiselle Jeanne. J'ai aucune idée. Ah, la blonde à Gaston. Hey boy. OK. OK. Ah! Eh boy! Ok, je vais aller juste googler un peu, là. Eh boy! Je suis capable de faire ça? C'est qu'en fait, je pourrais la dessiner. Ben, je vais la dessiner. Mais c'est que j'aurais aimé... J'aurais aimé essayer de la faire réaliste. Puis c'est tellement cartoon que je pense pas, tu sais, je veux dire, là, présentement, je regarde un dessin, là, puis t'es vraiment de même, là, tu sais. C'est comme une petite secrétaire nerdy, un peu, mais cute, là. Parce que c'est ça, quand je fais des personnages, je trouve ça plus intéressant de les faire comme un peu dans mon genre, là, dans mon style. Fait que, tu sais, si c'est juste pour la copier dans le style du dessinateur, mettons comme Franquin, ben tu sais, c'est dans le fond,
même si je réussis à faire un beau dessin, il ne sera jamais aussi beau que celui de Franquin. Fait que je trouve ça souvent moins intéressant. Mais si je le fais dans mon style, là, c'est comme, je compare ça, mettons, à un cover de musique. T'sais. Si tu fais le cover comme l'original, ben, tu fais comme, bon, rendu là, pourquoi on l'a déjà, l'original? T'sais. Mais... Mais je fous que c'est un bon défi parce que hey, j'ai aucune idée comment je rendrais ce personnage-là réaliste. Là. J'ai envie de vous poser une question. Si, mettons, vous aviez à caster Mademoiselle Jeanne dans un film, ça serait qui l'actrice? Ça peut être n'importe quelle époque. Là. C'est pas obligé d'être une actrice. Ah ben oui, je pourrais faire une quête, certain. Une quête en badass de Final Fantasy. Yanner dit... est-ce que tu joues à un jeu ce temps-ci? Oui, ce temps-ci, je joue à Naruto. Le jeu de fight, là, je fais tout le story mode, puis je trippe ma vie, là, pour vrai. Moi, j'ai commencé à lire Naruto, genre, il y a une quinzaine d'années, là, avant que ce soit cool. Puis j'ai arrêté un moment donné parce que la vie, là. Puis là, j'ai une couple de mes chums qui sont full dedans. Fait que j'ai comme... J'ai envie de jouer avec eux autres, tu sais, évidemment, quand on va pouvoir. Fait que là, j'ai fait « Ah, ben, je vais le pogner. T'es pas cher, là, sur PlayStation. » Fait que... Puis j'ai fait « Ah, ben, tant qu'à juste jouer un jeu de fight seul, je vais faire le story mode. » Puis là, finalement, je suis full investi dans l'histoire. Puis je suis comme « Ah, c'est-tu que c'est bon, Naruto? C'est-tu que c'est intense? C'est hot, c'est hot. » Bon, ben on va dire que c'est ça, Mademoiselle Jeanne. Ben sinon, je vais... je pense que je vais me starter une série de dessins avec un autre style. Ou non, ce que je vais faire, là... Si vous trouvez ça dull, je vais arrêter, OK? Mais ce que j'avais envie de faire, c'était de terminer ce dessin-là. Parce que... Je vais juste mettre le petit playthrough pour que... Playthrough, le petit time-lapse... OK. Fait que ce dessin-là, qui... je l'ai commencé de même. Puis ça, c'est un personnage que j'ai créé quand j'étais petit qui s'appelle Omega Kella. Puis je le trouve bien hot, ce personnage-là, parce que dans le fond, c'est un tueur qui s'est... Tu sais, c'était full influencé de Spawn. C'est un tueur qui s'est fait faire un curse par Satan. Puis c'est que tous les gens qui ont tué... vont revenir à la vie puis le pourchasser jusqu'à la fin des temps. Mais le twist, c'est que c'est un tueur, pas un tueur en série, mais tu sais, un tueur professionnel. Fait qu'il a tué genre au-delà de 1000 personnes. Puis ces personnes-là, ils vont toujours être après lui. T'sais. Fait que c'était ça le concept de Omega Kella. Puis j'ai juste recommencé, puis je l'ai trouvé dans un vieux sketchbook dernièrement, puis j'ai recommencé à le dessiner, puis j'ai ajouté des lunettes de Gundam, de Gurren Lagann, puis je trouvais ça drôle. Puis on dirait que je le trouve le fun du personnage-là, c'est comme niaiseux, là, mais tu sais, ça fait partie d'un trip d'enfance, puis tout. Fait que là, je l'imaginais, tu sais, comme se battre contre justement une armée de morts qui reviennent à la vie pour le tourmenter, le se battre contre lui. Puis, en même temps, je voulais faire une étude de Frank Frazetta. Frank Frazetta, c'est un peintre dans les années 70 qui était bien populaire pour, entre autres, les couvertures de Conan. Si vous avez une image d'une peinture de Conan en tête, c'est probablement Frazetta qui l'a faite. Fait que je voulais comme un peu étudier, tu sais, sa composition, ses couleurs, etc. J'aime bien ça faire ça, tu sais, on apprend. Fait que j'ai juste sorti l'image de Conan, puis j'ai commencé à faire ça, mais je l'ai pas fini. Fait que j'avais envie de le finir. Mais si vous trouvez ça dole, puis vous aimez mieux que je dessine d'autres choses, dites-moi-le, je suis à votre écoute. Je suis là pour vous.
je pourrais peut-être faire Niket après. Niket en Final Fantasy. Puis en plus, là où je suis rendu, c'est comme... c'est une étape le fun parce que c'est... exactement comme tantôt, là, ce que j'ai fait, c'est que je fais le dessin, ensuite je mets la couleur sous le dessin, un layer en dessous. Puis quand je veux donner un côté un petit peu plus painting, là, un petit peu plus peinture traditionnelle, c'est que je vais aller peindre par-dessus la ligne. Fait que on se lance, c'est ça qu'on va commencer à faire. La Gorgone dit « Tu préfères un personnage inspiré de Sandman ou Neil Gaiman? » Ben oui, puis en plus, Sandman, écoute, je veux le relire parce que j'avais commencé à le lire il y a vraiment longtemps. Puis, mon Dieu que j'aimais ça. J'aimais tellement ça. Là. Mais j'ai jamais fini. Puis, j'ai chez nous. Là, fait que... Ça serait rien de... Sinon, comment c'est quoi les trucs que vous me donneriez pour genre avoir plus de monde là, sur ma chaîne là? Avoir plus de, tu sais, comme quand je start un stream là, ça start puis on est comme une quinzaine, une vingtaine là. Y a-tu des trucs, y a-tu des choses qu'il faudrait que j'ajoute, y a-tu une manière de solliciter le monde, comment que ça marche? Un horaire régulier, ouais. Ouais. Ben, c'est ça. Moi, c'est sûr que c'est ça, à partir d'aujourd'hui, ça va être le mardi soir. Ça se peut que les heures changent un petit peu, mais tu sais, je vise tout le temps entre 9 et 10 heures, là. Fait que... Puis je l'annonce dans la journée avant. Mais est-ce que ça l'aide de l'annoncer sur Facebook ou c'est vraiment... Y a-t-il une manière de l'annoncer sur Twitch direct? Ouais. Annoncer sur les réseaux sociaux, ça peut pas nuire, ouais, c'est sûr. OK, il y a Twitch Québec, ça doit être un groupe Facebook, ça?
Mais c'est ça, tu sais, quand tu dis se bâtir sa communauté, qu'est-ce que ça implique, se bâtir sa communauté? Tu sais, je comprends là, le sens des mots, mais concrètement, en action, je suis pas sûr que je comprends. C'est-tu d'offrir des goodies au monde? C'est-tu de juste être patient? Puis c'est-tu d'aller voir d'autres chaînes pour se présenter puis faire de la promo? Je suis pas sûr que je catch encore. Fait que là, ce que je suis en train de faire, là, c'est ça que j'expliquais tantôt, c'est du rendering. Fait que ça veut dire que, tu sais, toute la structure du dessin est là, toute la couleur de base est là, mais c'est d'ajouter de l'ombre puis de la lumière, puis c'est comme, en fait, sculpter un peu dans le dessin. Fait que c'est en ajoutant de la lumière qu'on crée du volume. Fait que c'est pour ça que je dis sculpter, tu sais, c'est de donner plus de volume. Puis c'est une partie qui est vraiment le fun à faire, mais c'est la partie la plus longue. Et c'est... Ben là, c'est à vous de me le dire, mais moi, j'ai l'impression que c'est aussi une partie qui est peut-être un petit peu plus plate à checker. Fait que si vous êtes comme moi, non, là, c'était plus le fun tantôt quand il dessinait un cowboy à main levée en 10 minutes, on retournera à ça, je ferai un autre dessin pour mon Instagram. Sinon, ben pour les gens qui sont là, dites-moi donc, c'est quoi vos channels préférés sur Twitch? C'est quoi vous aimez le plus? Mettons, dans le dessin, là, tu sais. Y a-tu des channels en particulier? Y a-tu genre une manière de faire que vous aimez plus? Mettons, moi j'aime ça, genre, juste comme checker quelqu'un dessiner, mais j'enlève le son. Là, évidemment, si c'est ça que vous préférez, vous ne pourrez pas me répondre parce que ça veut dire que le son est probablement enlevé. Là. Aïe, aïe, aïe.
Antoine W.K. Moi, c'est le contraire. Je lis en t'écoutant. Je regarde pas trop l'image. Ah, c'est cool. Ben ça, c'est parfait parce que ça veut dire que, tu sais, même si c'est slow, puis c'est relax, ben dans le fond, tu fais juste jeter un coup d'œil aux 10 minutes, puis là, t'es comme, ah, il est rendu là. Ou justement, genre, OK, il est encore rendu là, j'ai rien manqué. Ben c'est cool, ça. Puis, ben là, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu lis? Ah, le livre des Beastie Boys. Ouais, je t'ai entendu parler. Man, ça a l'air malade. Les Beastie Boys, moi, c'est un des bands qui a fait en sorte que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Là. C'est vraiment. Ça a été un gros band important pour moi dans ma vie. Là. C'est surtout qu'à l'époque, c'est tellement niaiseux. Là. J'imagine que c'est encore de même, moi, encore aujourd'hui. Là, mais à Polyvalente, c'était vraiment des gangs en fonction de la musique que tu écoutes, puis ton habillement, puis etc. Puis nous autres, c'était genre les yo contre les punks. Là. Fait que là, c'était soit écouter du hip-hop, soit écouter du punk rock. Puis moi, j'écoutais les deux. Puis ça me faisait chier, parce que là, j'étais comme... Je suis comme un traître dans les deux clans. Puis là, j'ai découvert les Beastie Boys. Puis j'étais comme, OK, tu peux être les deux. Tu peux être punk rock. Puis hip-hop à la fois. Je suis capoté. C'était comme mon band. Puis tu sais, tout est bon. Là. Les beats sont bons. Les gars, ils ont full l'attitude. Ils sont full hot. Fait que tu sais, c'était... Tu dis que t'es pas mal plus punk que pop, mais c'est ça, tu sais, Beastie Boys ont commencé dans la grosse scène hardcore punk. Tu sais, c'est ça qui est drôle. Puis même, jusque. Peut-être pas les albums les plus récents, mais tu sais, je pense à Ill Communication, puis Sabotage, puis Heart Attack Man. Tu sais, c'est des tunes punk, ça, là. Fait que tu sais, ils ont pas, genre, renié leurs racines, tu sais, ils sont. Ils ont juste vieilli puis se sont assagis, mais ils ont continué à faire du punk même quand ils pognaient au bout, là. J'ai-tu vu le vidéoclip I can't play no game that I can't win? Je ne crois pas. C'est-tu récent ou peut-être que je sais c'est quoi, mais que ça me vient pas là, là. Mais vite de même, ça me dit rien. C'est-tu le clip qui est comme un espèce de film là, avec Seth Rogen puis Elijah Wood puis. C'est comme un genre de court-métrage. Là. Décalisse tout là. Ah oui, je me rappelle. La dernière fois que j'ai streamé, j'écoutais cette playlist-là, puis exactement à ce tune-là, je t'ai rendu comme... OK, là, je suis tanné. Là, je veux de la nouvelle musique. Là. J'étais comme rendu à bout d'entendre ça. Là. Parce que je sais pas pourquoi cette tune-là... En fait, je vais checker c'est quoi qui joue. Là. C'est...
Ok, ouais, c'est ça. C'est un jeu que je connais pas qui est. C'est un jeu japonais, là, genre Vujwa no Hiho. Puis après ça, c'était comme Mario. Puis là, j'étais comme, ah là, je suis comme plus dedans, là. Putain, on va juste skipper un petit bout. Puis à chaque fois, j'y pense. Puis je suis comme, man, faut que je demande à des chums, tu sais. Genre, si je pourrais streamer leur musique, parce qu'en même temps, ça me tente pas, genre, de le faire sans lui demander, tu sais, je trouverais ça poche de ma part. Mais justement, tu sais, j'aurais pu mettre du Vidéoville, ou, ben, tu sais, Vidéoville, sûrement qu'il n'y aurait pas de problème, hein, sûrement je pourrais en mettre, mais tu sais, j'aimerais mieux lui dire avant quand même qu'il découvre, tu sais, mettons, j'oublie de lui dire, puis il découvre, puis ils sont comme, ah, ok, c'est, t'écoutes du Vidéoville sur ton Twitch, hein. Ok, la vidéo, c'est. Tous les acteurs sont des poupées, ok? Ah, ouais, des poupées Barbie. Ok, ok, c'est nice. C'est fucké. Mais c'est ça, ça c'est une autre question que j'ai sur les droits d'auteur. Comment que ça marche sur Twitch? Mettons, je mettais du Beastie Boys là, là. Sais-tu, il me coupe, c'est comment que ça fonctionne? Il démonétise ou il censure la vidéo? Le savez-vous? Ah, ok, ils arrivent chez vous direct. Ok, Twitch, ils niaisent pas, là. Genre, ils s'en viennent. Là. Ils débarquent chez vous, ils te crient ça de voler, genre, puis ils disent tu dois du 10 000$, genre, au BC Boy, genre. Ok, ben, Chris, c'est une chance, tu me l'as dit, merde. C'est pour vrai, là. Je ferais jamais ça. Je dis pas si c'était les Beastie Boys eux-mêmes hein, qui venaient. Les deux qui restent, c'est-à-dire, là. Tu sais, regardez, juste quand je dis sculpter, là, c'est ça que ça veut dire. T'sais, ça, c'était avant. Ça, c'est après. Ça donne déjà plus de volume à nos personnages. Ils se perdaient un peu dans le détail et dans la masse avant. Là. Thank you.
Ouais, ok. La gorgone, tu me dis, c'est ça, le son a été coupé à cause du copyright. Ben, c'est un peu ça, hein. Fait que. C'est pour ça que là, tu sais, ça me gosse un peu de mettre de la musique. Qui m'appartient pas ou qui, en fait, que je connais pas. J'avais demandé, il y a très longtemps, si je pouvais mettre le matos, parce que je connais un des gars du matos, puis c'est fucking bon, le matos. Fait que, tu sais, je pourrais peut-être mettre ça. Je sais pas si je peux aller sur le Bandcamp. On va switcher de beat. Wow. Le son est un peu fort. Connaissez-vous le matos? C'est les gars qui ont fait la soundtrack de Turbo Kid, entre autres. Puis ça, c'est leur album Ninja Eliminator. Hey, d'ailleurs, je pense que c'est de ça qu'on va faire. On va faire un Ninja Eliminator. Je cherche en même temps des images de Mathieu Niquette, là. Je veux le faire comme en ninja, là. Allez checker ça sur YouTube, Ninja Eliminator, c'est tellement drôle, là.
Là, on est rendu dans un dessin de Ninja Illuminator avec la musique de Le Matos. Puis, pour si tu sais pas c'est quoi Ninja Illuminator, va voir ça sur YouTube. Je te conseille le 2. C'est des espèces de fausses bandes-annonces de faux films de ninja faits par la gang qui ont fait sur Wookid. Puis ben, la musique qu'on écoute, c'est en fait la soundtrack de Ninja Illuminator. C'est comme des parodies de... Je me rappelle plus du réalisateur, mais c'est des parodies de films de ninja super cheap, là, avec des genres de costumes pas possibles, puis des froufrous, puis des brillants, puis... puis tu sais, ça se prend full au sérieux, évidemment. Là. Puis c'est vraiment, quand tu regardes l'inspiration des films, c'est vraiment ça, là. Thank you.
Et voilà. Excusez, ça faisait comme longtemps, j'avais pas parlé. Je me suis comme fait peur en parlant. Aïe, aïe, aïe. Mais voilà, je pense que ça va être ça, le Twitch d'aujourd'hui, les amis. Je pense qu'on l'a trouvé. On l'a trouvé, notre sweet spot. On va encore faire peut-être une couple de petites retouches de rien, là, mais c'était ça. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez passé du bon temps. On ne va pas raccrocher immédiatement, là, mais dans pas long. Fait que si vous avez comme un petit mot ou une dernière petite question, allez-y fort. Puis en plus, la toune a comme arrêté en même temps, fait que. Donc là, on écoute encore le matos. Allez voir le matos sur Bandcamp.